Attends, j'essaie de me demander qu'est-ce que je veux dire là-dessus. Ouais, OK. Dans les années 80, c'est sûr que Denis Arcand est très important. Le déclin de l'Empire américain en 86, Jésus-Montréal en 89. Deux gros films de notre cinéma qui ont rayonné à l'étranger aussi. Un cinéma plus intellectuel, assez verbeux, qui parle beaucoup des relations hommes-femmes. Le déclin, je pense que c'est quand même un incontournable. Parce que c'est une chose qui est certaine à mes yeux, à moi au Québec, c'est qu'on reconnaît seulement nos grands films puis nos artistes une fois qu'ils ont été reconnus ailleurs, qui ont eu du succès ailleurs puis qui nous reviennent. C'est très, très rare qu'on va célébrer des artistes juste parce qu'ils sont populaires au Québec. C'était vrai de Félix Leclerc quand il est parti en France, Céline Dion est allée chanter au Johnny Carson Show, est revenue, puis là, tout à coup, c'était notre Céline. T'sais. Fait que cette idée-là, où je ne sais pas si ça vient d'un complexe d'infériorité ou quelque chose, mais que on a besoin des autres pour nous dire qu'on est bon, puis qu'on a du talent. T'sais. Je pense qu'on le sait, c'est juste, c'est difficile de célébrer le voisin. Il y a quelque chose là-dedans qui est, je sais pas, peut-être de l'ordre du pense-petit ou du... c'est un peu mesquin, en fait, tu sais. Fait que les années 80, dans le cinéma québécois, c'est ça. C'est dominé par ce besoin-là de s'ouvrir sur le monde. Puis de sortir de notre petit nombril, puis nos petites affaires, puis commencer à parler de raisonner de façon plus universelle. Évidemment, années 80, le référendum, l'échec référendaire pour l'un, le succès de cet échec-là pour d'autres. Comme à ce moment-là, à travers le cinéma, on a commencé à ressentir un peu le sentiment d'échec ou le sentiment que ça fait 20 ans qu'on fait du cinéma puis qu'on se bat pour notre identité québécoise, pour affirmer qu'on est une société moderne, francophone en Amérique du Nord. Et puis là, l'échec du référendum vient justement à toucher la motivation, vient toucher la détermination de certains cinéastes. Je pense que Le confort et l'indifférence aussi de Denis Arcand, qui est un documentaire sur avant, après, pendant le référendum, qui dresse vraiment ce portrait-là. Le parallèle entre Le prince de Machiavel, puis il y a vraiment un narrateur qui interprète Machiavel, puis le contexte du pouvoir au Québec. Puis l'espèce de pouvoir, le combat qu'il y a eu pour le pouvoir avec le référendum. Puis le confort et l'indifférence, je veux dire, c'est de se dire, ben écoute, on a comme pas eu notre référendum, c'est pas grave, on vit dans notre confort puis dans l'indifférence. Puis c'est vraiment une grosse critique de ça. Moi, probablement mon film préféré fait au Québec, c'est Les Bons Débarras, en 1980, par Francis Mankiewicz. Donne-moi une gorgée. Maudit cochon! Tu l'auras pas, t'es trop cochon! Qui a été scénarisé par Régent Ducharme, qui avait écrit La Vallée des Avalés, un de nos plus grands auteurs, très mystérieux. Régent Ducharme, pas beaucoup de monde qui ont vu de quoi il a l'air, Régent Ducharme, puis il est décédé il n'y a pas très longtemps, puis je pense que bien les gens qui ne savent pas c'était qui Régent Ducharme, mais c'était un de nos plus grands auteurs. Puis il avait écrit le scénario, il avait écrit des paroles de chansons de Robert Charlebois aussi dans les années 70, il a travaillé avec Charlebois, Ducharme. Puis en 80, ben, il écrit ce scénario-là, Les Bons Débarras, Good Riddance, le titre anglais, là, qui va connaître aussi beaucoup de succès. Puis ça mettait en vedette Marie Tifo, Roger Lebel, Germain Hood, puis Charlotte Laurier. Puis c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Manon, qui est particulièrement attachée à sa mère. Sa mère est monoparentale, le père, on ne sait pas il est où. Puis sa mère, puis ça se passe aussi dans les pays d'en haut. Comme les belles histoires des pays d'en haut, fait que c'est dans le coin de Saint-Jérôme, là, dépassé dans le nord de Montréal, dans les Laurentides. Marie Tifo, une petite fille qui s'appelle Manon, puis Manon est particulièrement attachée à sa mère. Sa mère, elle n'arrache, hein, ils n'ont pas beaucoup de sous. C'est un peu un portrait de la pauvreté rurale aussi, les Bons Débarras. T'sais. Puis elle a un frère aussi, qui est joué par Germain Hood, qui a eu une méningite quand il était tout petit. Puis qui
qui est déficient un petit peu, qui a un handicap intellectuel à cause de ça, puis qui boit beaucoup trop de bière avec un de ses chums. Puis toute cette mentalité de petit village avec le petit bar qui est là, puis les personnages, j'ai Mascotte qui joue là-dedans aussi. C'est un film extrêmement puissant par sa simplicité. Puis l'art de voir la poésie dans le réel, dans les choses simples, puis dans les relations humaines, dans les rapports humains. C'est un cinéma de personnages. C'est un cinéma de dialogue. C'est un cinéma qui va pas nécessairement tomber dans le mélodrame non plus. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Les bons débarras. C'est-à-dire que les sujets les plus intenses, les thèmes les plus intenses abordés dans le film, passent souvent sous le couvert de l'humour, de la bonhomie. Alors, les choses dont on parle dans le film sont extrêmement importantes et profondes, comme la relation entre les parents et les enfants, quoi faire quand tu viens avec une personne en situation de handicap, puis dans le cas du personnage de Germain Hood, il est autodestructeur, puis tombe en amour avec une voisine qui, elle, est beaucoup plus aisée, là, la voisine. Il amène du bois, en fait, là, c'est même qui gagne leur argent en transportant des cordes de bois. Puis ils vont voir une dame qui est jouée par Louise Marleau, belle dame, elle vit dans une belle maison, puis le personnage de Germain Hood tombe en amour avec cette femme-là. Fait que c'est aussi l'idée des classes, certes, la structure des classes, mais aussi du désir puis de l'objet inatteignable. T'sais, que tu peux pas... Ah, il pourra jamais l'avoir, cette femme-là, t'sais. Puis que la fin est tellement belle. Moi, je trouve que c'est un film qui, à toutes les fois, je le vois depuis qu'il est sorti, puis ça me prend tout le temps à la gorge, t'sais. Puis j'ai beaucoup d'amis anglophones, américains, canadiens-anglais, tout ça, qui me disent que c'est le meilleur film québécois qu'ils ont vu, Les bons débarras. Quand ils le voient, là, ils voient tout de suite, ils comprennent tout de suite que c'est un film spécial dans la cinématographie. Fait qu'il est à sa place en 1980, qui est aussi l'année du référendum, hein. Premier référendum de 1980. Fait que j'imagine qu'à certains égards, il est politique aussi. Sans être explicitement politique, il est de son époque, lui aussi. Comme pouvaient l'être les films de fesses des années 70, lors de la Révolution sexuelle, t'sais. La meilleure illustration de ça, à mon avis, je pense, c'est Elvis Gratton, qui montre un fédéraliste très caricatural, comme Pierre Falardeau sait si bien le faire. Puis c'était vraiment ce but de ce film-là, c'est de montrer... un Québécois, ou en fait un Canadien français, ou en fait, on sait pas trop, avec la fameuse scène dans l'avion où il essaie de s'identifier. Et le vent! Et le vent! Et le dos! Et le dos! À l'ouest! À l'ouest! Ah! À l'ouette, gentil à l'ouette! À l'ouette, je te fais marrer! Et pépite! Ah! Tu t'es mon air! Hey, on va le dire, là! À ça, ça va! Pardon, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens, ah, oui, je vois. Américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, oui, des franco-québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. C'est ça. Des Québécois canadiens. Les deux. C'est ça. Hey, c'est quoi le film qu'ils vont passer? Les Dents de la mer. Les Dents de la mer? Oh, Elvis Gratton. C'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un film que j'ai regardé avec mon papa. Et c'est ça, c'est j'en garde des excellents souvenirs pour le plaisir qu'on a eu à regarder ça. Il y avait beaucoup de mauvais mots, fait que j'avais beaucoup de fun à regarder ça avec mon père et en famille à l'époque où j'étais toute jeune. Mais en réécoutant ça, adulte, c'est sûr que j'ai vu un paquet de niveaux que j'avais complètement loupé au moment, à l'âge où j'étais, et qui m'a fait encore plus apprécier ce film-là. Toute la satire, tout le second niveau, tout le pas de bon sens. Pour moi, il y avait quelque chose de très, très, très salvateur. Tu sais, c'est un défoulement, là,
de regarder ce film-là, de se permettre d'avoir ce langage-là, ces gestes-là. Ça fait vraiment du bien. C'est pas parce qu'on fait de l'humour que c'est pas sérieux, en fait. C'est ce que, moi, ce film-là m'a apporté. On peut faire les deux. Il y a pas juste des films d'auteur non plus. Il y a des films plus populaires, il y a des comédies dans le cinéma québécois qui sont aussi importantes. Il y a des films jeunesse, c'est La Guerre des Tuques aussi, je pourrais même dire, dans les années 80. Et Elvis Gratton, c'est un film très, très important. C'est un film que tout le monde connaît. Je pense que plusieurs gens, plusieurs personnes peuvent citer des répliques du film. Là. Il y en a tout plein. Ça l'a marqué pour son humour, mais il y a beaucoup d'autres choses dans Elvis Gratton. C'est une critique, évidemment, du nationaliste, du fédéralisme. Ça parle de... C'est très politique, en fait, mais c'est vraiment bon de la part de Julien Poulin et Pierre Falardeau d'avoir passé ça à travers un personnage tellement caricatural, plus grand que nature, et avec les suites, le 2 et le 3, va exagérer ce personnage-là juste pour montrer aux gens, montrer au peuple que c'est une grosse joke, faut pas le prendre au sérieux. À savoir si c'est vraiment un portrait fidèle de qu'est-ce qui constitue un fédéraliste, ça c'est une autre chose dans le film. Puis je me souviens d'avoir eu un débat avec Pierre Falardeau lui-même par rapport à Elvis Gratton, lui disant que pour moi, ça représentait plus certains aspects de certains séparatistes que des fédéralistes. Puis il avait été bien fâché de ce commentaire-là que j'avais fait. Mais avec du recul, je trouve que premièrement, c'est un film qui vieillit pas très bien, Elvis Gratton, au-delà de... Si on pense au premier, là, parce qu'ils en ont fait toutes deux, trois, je pense, là, puis la série télé, puis tout ça, c'est extrêmement populaire. Dans différentes itérations, ça s'est fait, ce personnage-là. Mais le film de 1985, qui est en fait trois petits films qui ont été compilés ensemble, faits de 83 à 85, c'est pas, d'un point de vue esthétique, stylistique, ça tient pas la route. C'est pas très bon, tu sais. C'est du pantomime aussi, beaucoup, une espèce d'humour peau de banane, puis des sacs, puis Julien Poulin, Elvis Gratton, qui fait du pantomime, tu sais, qui fait des jokes... un peu de mauvais goût, là, tu sais, ça vole pas très haut, je trouve. Puis je me dis, OK, moi, je l'adorais, le film, quand il est sorti, puis j'avais 15 ans à cette époque-là, tu sais. Puis tout le monde connaissait Elvis Gratton, même quand c'est sorti. Parce que à l'école, on s'amusait à donner des répliques. Tu sais, hey, Linda, on riait d'Elvis Gratton avec Elvis Gratton. On riait pas d'Elvis Gratton, on riait avec lui. Puis peut-être qu'il y avait une part là-dedans où on se reconnaissait, nous autres, les Québécois, tu sais, dans ce personnage-là. Mais je pense pas que ce soit l'ensemble de la société québécoise qui soit gratonienne, si je peux me permettre l'expression. T'sais. On est plus sophistiqué que ça. Puis le fait qu'on aime certains aspects de la culture américaine, comme Elvis Presley, par exemple, c'est beaucoup plus complexe que juste être colonisé. Presley, c'était une figure moderne qui a donné un coup de pied dans la porte de notre modernité aussi. Il était là pendant qu'on s'en venait moderne. Il nous a aidés à devenir modernes d'un point de vue de la culture. C'est pas politique, mais du point de vue de la culture. Puis c'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris cette métaphore-là que Falardeau utilisait dans Elvis Gratton. Puis sincèrement, une fois que tu l'as vu, une fois, deux fois, trois fois, moi, c'est pas un film que je veux revoir tant que ça. Tu sais, il y a pas de pérennité. Mais il s'inscrit définitivement dans notre cinématographie, c'est sûr. Tu sais, le monde, quand tu penses... Même quand tu penses à Elvis, aujourd'hui, il pense à Elvis Gratton, plus qu'à Elvis Presley lui-même. Fait que c'est pas peu dire, quand même, malheureusement. Là. Je viens avec La Bête lumineuse parce que... Pierre Perrault, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une figure extrêmement importante du cinéma québécois. Je pense que La Bête lumineuse a comme repris beaucoup les codes du cinéma direct, puis les a appliqués pour en faire, évidemment, un long métrage, mais quelque chose de... d'ancrer dans les thématiques qui étaient encore beaucoup plus modernes, puis que c'est un film qui est encore criant d'actualité. Je veux dire que c'était probablement pas les pensées qu'il y avait, mais c'est un film qui parle tellement de la masculinité toxique. Le film raconte évidemment une fin de semaine de chasse avec cinq ou six garçons, cinq garçons, des petits gars. Le film raconte une escapade de chasse entre plusieurs hommes, et puis évidemment la marde pogne. Puis il y a un poète, il y a les chasseurs. Puis cette espèce de mélange-là d'idéologie, ce mélange-là de personnalité vient faire des clashs assez... Mettons, il y a des grosses frictions dans ce film-là. Puis c'est vraiment...
C'est vraiment touchant, ce film-là. C'est vraiment intéressant parce que ça dresse des portraits qui sont tellement authentiques, ça dresse des portraits qui sont tellement humains, que encore une fois, ça revient encore rechercher l'identité québécoise. Ça en parle, c'est en écriant. Puis en même temps, ça vient dresser des problèmes, des choses qui sont extrêmement toxiques dans nos relations. Denis Arcand, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Toute nation confondue, Québécois particulièrement. J'aime son flair, j'aime son sens de l'humour, j'aime son cynisme aussi dans certains films. C'est démoralisant des fois, mais en même temps, ça fait du bien de voir quelqu'un qui est assez intelligent pour véhiculer un bon cynisme rempli de critiques puis de commentaires qui sont viscéraux, puis qui marchent, qui ont raison d'exister. Puis mon introduction à Denis Arcand, ça a été le déclin de l'Empire américain. Si j'étais capable, je draguerais tous les soirs. C'est vraiment juste quand je drague que je me sens en vie. As-tu déjà couché, toi, avec une femme? Ben, quelquefois, ouais. Toi aussi, j'imagine? Oui, oui. Et Seigneur. Le pire, c'est les conversations. Ah! Moi aussi, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Avez-vous lu Shogun? J'adore Baryshnikov. Mais maintenant, c'est Patrick Dupont. Non, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie de se mettre. Les intellectuels, ça parle. C'est rien que ça que vous faites parler. Elle, quand elle me fait bander, je la fous. Je me pose pas de questions. Mais moi, j'ai pas d'ambition de même. Je voudrais juste être heureux un peu, c'est tout. Moi, ce qui me fascinerait, là, c'est de savoir ce qui est arrivé, disons... Le jouir. Excusez, je parle trop. C'est un film que j'ai adoré voir parce que c'était rempli d'une sagesse qui était plus grande que ce que j'étais habitué de voir dans le cinéma de façon générale. Il y avait un sens d'humour qui était propre à lui. De placer les femmes dans le gym puis les hommes dans la cuisine, je trouve que c'est une belle façon de voir notre société puis de se moquer un peu des habitudes puis des clichés qui sont propres au sexe. Et tous les commentaires qui se faisaient là-dedans, c'était rempli d'une philosophie super intéressante puis de commentaires qui étaient... particulièrement intéressant à entendre. T'sais, tu ressors de ce film-là, puis tu bois ton vin différemment après ça. Là. C'est un film où tu te sens intelligent à regarder ça. T'sais. Mais en même temps, c'est pas une fausse intelligence non plus. Là, c'est des discours qui sont intéressants. C'est des conversations, des personnages qui sont remplis d'une vérité vraiment unique. J'ai beaucoup aimé ce film-là, puis ça m'a donné envie de regarder le reste. Ça m'a donné envie de regarder la suite de ça. Le déclin, je pense que c'est quand même un incontournable aussi. J'ai adoré mon visionnement de Jésus Morel assez récemment, là, que j'avais pas encore vu. C'est théâtral, ça parle d'une pièce de théâtre qui critique l'abîme, qui critique la vie de Jésus. C'est beau, c'est magnifique. C'est un peu plus grandiose aussi au niveau de la mise en scène que le déclin, entre autres. L'affaire avec Denis Arcand, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'il fait s'inscrit dans une trilogie quelconque. T'sais, quand il a fait le déclin de l'Empire américain, plus tard, dans les années 2000, il va faire les invasions barbares, puis après ça, il va faire l'Âge des ténèbres. Puis tout le monde disait, l'Âge des ténèbres, ça fait partie d'une trilogie avec le déclin de l'Empire américain, puis les invasions barbares, alors que c'est pas le cas. Vraiment, même Arcand lui-même le dit. C'est plus dans un autre cycle de films qu'il va faire, qui sont en quelque sorte des films un peu plus à l'éthique ou à l'imaginaire protestant. Puis Jésus de Montréal, c'est un film qui est fait par un catholique qui est élevé dans les collèges jésuites à l'époque classique, mais qui a un regard d'historien, un peu plus froid, un peu plus clinique sur la désacralisation de la société québécoise. À partir des années 70. Ça se passe en 89. Puis il utilise la métaphore d'un acteur qui est joué par Lothaire Bluteau, là, qui joue un acteur au chômage qui est obligé, de, en quelque sorte, ou qui décide de jouer la passion du Christ sur la montagne à la demande de l'oratoire, d'un curé à l'oratoire, qui est joué par Gilles Pelletier, je crois. Puis c'est tout un ensemble d'acteurs incroyables qui sont dans ce film-là. Joanne-Marie Tremblay, Robert Lepage joue dans le film aussi, Rémi Gérard, puis Lothaire Bluteau, qui est vraiment un acteur hors pair, qui va avoir une carrière internationale aussi. Hein. Puis Jésus Montréal, c'est ça, c'est l'idée de comment... C'est quoi c'est le début de la société médiatisée au Québec.
Comment tout est sous l'œil de la caméra tout le temps. Puis que les choses ont juste une valeur si elles passent à la télévision. Puis la tension qu'il peut y avoir entre le commerce et l'art, la culture. Parce qu'elle est tout le temps là, cette tension-là, elle est constante. Il y a des choses qu'on ne peut pas commercialiser. Oui, on peut les commercialiser, mais on ne devrait pas les commercialiser. L'art est une de ces choses-là. Puis le film Jésus-Montréal, c'est un film qui a connu beaucoup de succès au Québec. Moi, je me souviens d'être allé le voir plusieurs fois en salle. Puis la salle était toujours pleine. Puis tout le monde pleurait à la fin. En 1989. Je ne sais pas si ça fait encore pleurer le monde 30 ans plus tard. Ça reste un très beau film, je trouve. Tu sais, la direction photo, la musique, le montage, les performances des comédiens, la direction d'Arcan, puis la grande qualité de l'écriture. Puis les thèmes qu'il choisit d'aborder, tu sais. Puis tout ça crée un affect. En tout cas, 89, dans ma génération, à moi, quand on le voyait, le film, moi ça me touchait, puis je voyais que les gens autour de moi étaient touchés. Probablement plus que par le déclin de l'Empire américain. Et pourtant, c'est un des films dont on parle moins. Je sais pas si c'est parce qu'il y a le nom Jésus dans le titre, là, et qu'on est tellement rendu anti-religion et tout, anti-clérical et tout ça. Mais c'est vraiment un beau film à redécouvrir, Jésus-Montréal, je trouve, parce que l'émotion qu'il y a dans le film, la critique sociale, c'est une satire, en fait, de la société québécoise à l'époque. Puis ça annonce tout ce qui va arriver après. Hein. Tu sais, les grands artistes, ils ont des antennes, souvent. Ils vont voir les choses avant qu'elles arrivent. C'est comme un morality tale ou cautionary tale, qu'ils disent en anglais. C'est faites attention à ça, à cet aspect-là, tu sais. Puis là, bon, on peut croire qu'ils pontifient puis qu'il n'y a pas d'affaires pontifiées, que les artistes ne devraient pas faire ça, mais essentiellement, c'est leur rôle de nous dire, OK, de remarquer les choses que les autres qui sont occupés dans leur vie du quotidien, qui ne remarquent pas. De quels films sont tirées les citations suivantes? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. La guerre des tuques. La guerre des tuques. Quelle des tuques? La guerre des tuques. La guerre, c'est pas une raison. La guerre des tuques. Mental toughness, la durée du mental. Les boys. La dureté, c'est... Attends, je vais recommencer, puis tu diras les boys. Mental toughness, la dureté du mental. Les boys. Les boys. Les boys 1. Ça fait boys, ça. Ou ça fait genre... lancer compte. Fait que lequel? Ça va être lancer compte. Comment? Mental toughness, la dureté du mental. Bon cop, bad cop. Ça, c'est les boys? Ben, vous couperez au montage le premier que j'ai dit. Les boys. Excusez-moi, je vais jouir. C'est pas un film québécois, ça? Non, je sais pas. Aline, le film sur Céline Dion. Excusez-moi, je vais jouer, c'est le déclin de l'Empire américain.